EA Games. Après avoir vaincu Fred Wesley au duel de sorciers, Harry et Ron se séparent pour trouver Ginny. Leviosa! Wingardium Leviosa!
Hengist de Woodcroft. Wingardium Leviosa. Tu es là. Le tout en poil a avalé mon rappel-tout et je me suis perdue en le cherchant. Le rappel-tout te signale si tu as oublié quelque chose. Je te le donne, Harry. Je n'ai pas ma baguette magique, mais tu peux... Voilà, Ginny. Bon travail, Harry. J'espère que le bric-à-brac de papa ne t'a pas trop embêté. Bon, on ferait mieux de rentrer. Les parents nous attendent pour aller au chemin de traverse. Comme tu n'as jamais pris de poudre de cheminette, il faut qu'on t'explique certaines choses. Quand tu es dans la cheminée, annonce où tu vas. Et garde tes coudes au corps. Veille à arriver à la bonne cheminée.
Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de danger? C'est fastoche. Chemin de traverse. Harry n'avait aucune idée de l'endroit où il avait atterri. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il n'était pas sur le chemin de traverse. Des masques sinistres accrochés au mur semblaient jeter des regards sournois, et toutes sortes d'instruments pointus et rouillés pendaient du plafond. Il faut que je sorte d'ici le plus vite possible. Il entendit un bruit provenant de la porte. Et deux silhouettes apparurent de l'autre côté de la vitre. Harry jeta un bref coup d'œil autour de lui et repéra une grande armoire noire. Il se précipita à l'intérieur et referma les portes sur lui en laissant une mince ouverture à travers laquelle il pouvait voir ce qui se passait. Quelques secondes plus tard, une cloche sonna. Et Malfoy entra. L'homme qui le suivait ne pouvait être que son père. Ne touche à rien, Drago. Monsieur Malfoy était en train d'essayer de vendre des objets de magie noire qu'il voulait dissimuler aux yeux du ministère de la magie. Harry se rendit immédiatement chez Fleury et Botte pour y acheter ses livres. Le nouveau professeur de défense contre les forces du mal, Gilderoy Lockhart, s'y trouvait également pour dédicacer son dernier livre. Fais-nous un beau sourire, Harry. Toi et moi, on va faire la une. Harry rencontra Ron et Ginny Weasley. Lucius et Drago Malfoy étaient là eux aussi. Le célèbre Harry Potter. Il ne peut même pas entrer dans une librairie sans faire la une des journaux. Ginny, qui adorait Harry, prit sa défense. Laisse-le tranquille, ce n'était pas sa faute. Lucius Malfoy se montra très méprisant en voyant les livres d'occasion que Ginny avait achetés. « Je crois que ton père ne pourra jamais rien t'offrir de mieux que ces livres. » Lucius plongea la main dans le chaudron de Ginny, en sortit un exemplaire du guide des débutants en métamorphose, l'examina brièvement, puis le remit en place. Personne ne savait à quel point ce geste de Lucius Malfoy allait influencer leur vie. Ils quittèrent tous la boutique. Ils trouvèrent la voiture à Charing Cross Road et, après l'avoir rendue invisible, s'envolèrent au-dessus des toits de Londres. Le Poudlard Express se trouvait loin en dessous d'eux et ils le suivirent. On ne voit plus le train. Essayons ce tunnel. On dirait qu'on a retrouvé le train, Ron. Essaie de ne pas abîmer la peinture. Mon père va me tuer. Devant le train. Et faire attention aux obstacles.
ne voit plus le train. Essayons ce tunnel. Préparez la voiture.
fous.